Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ce livre en colère. Vous êtes prêts? Aidez-moi à le calmer. C'est parti! Oh là là! Le livre est rouge de colère! Approche-toi et demande-lui. Que se passe-t-il? Laisse-moi tranquille! Ouh, il est très fâché. Laissons-le tout seul avec sa colère. Pose-le dans un coin et attendons un peu. Ça va mieux, mais il boude toujours. Compte jusqu'à 10 pour lui laisser le temps de se calmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, c'est déjà mieux. Mais il est encore tout rouge. Dis-lui, tu ressembles à une grosse tomate. Et maintenant, il est temps qu'il nous dise pourquoi il était si fâché. Approche-toi, il va te le dire à l'oreille. Ah, ça y est, la colère est en train de passer. Fais-lui un petit bisou et un gros câlin. Voilà, ce n'est pas grave. Tout va bien se passer. Dis-lui, je suis fière que tu aies réussi à te calmer. C'est gentil. Ah, il est bien plus joli ainsi. Dis-lui, tu ne ressembles plus à une tomate, mais à un gros citron. Voilà, le livre est calmé. À demain pour une prochaine histoire.